Visite au cœur de l'artisanat tunisien. C'est dans une petite ville pas très loin de Tunis que Tarek Kamoun souffle le verre dans la plus pure tradition. Un coup de cœur de Laila Menchari, directrice de la décoration chez Hermès, qui a accepté de nous parler de cet art. Nous sommes dans une ville qui s'appelle Soliman, en tout cas dans les environs de Soliman. Et nous sommes chez Tarek Kamoun, qui lui est d'origine sfaxienne et qui a lancé, on peut dire, l'art contemporain de la verrerie en Tunisie. C'est-à-dire qu'il a développé l'art de la table, notamment les assiettes, les verres, les carafes, les lampes. Enfin. Et ce que j'aime chez Tarek, c'est son sens de la nuance dans la couleur. Parce qu'on peut, avec ses produits, créer des tables absolument exquises. Tout ceci est venu, évidemment, des Romains. Il ne faut pas oublier que la Tunisie est un trésor romain dont il reste beaucoup de vestiges. Nous sommes ici dans un lieu où est en train de s'épanouir, en tout cas, l'art du verre soufflé, du verre sur commande et en même temps un art de vie au quotidien. Je trouve que d'être capable de refaire ce que les anciens ont fait et de continuer à rajeunir les choses, c'est un signe de bonne santé dans la vie.